Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent ce matin pour cette séance cordes, boxe et un peu de renfo. Voilà, je suis désolée, j'ai 2-3 minutes de retard, le temps de finir l'installation. Ce que je vous propose, c'est de démarrer. Je vais juste vous donner 2-3 informations sur la séance. Donc, préparez votre corps, de quoi boire et puis un tapis, mais ce n'est pas forcément nécessaire parce qu'on ne va pas s'allonger. Pour ceux qui ne prennent pas de corde, moi j'ai un trépied, un marche-pied, pardon. Je le mets là pour que vous puissiez le voir. Je vous propose soit de marcher tout simplement là, au moment où nous, on prend la corde, soit de faire la corde en air-corde. Vous pouvez aussi monter, là, lever les genoux et alterner, faire d'un côté puis de l'autre. Voilà. Et vous pouvez aussi monter et là, ouvrir sur le côté. Voilà. Vous pouvez varier. D'accord ? Donc, pas de problème si vous ne faites pas de corde. Et pour le réglage de la corde, alors moi aujourd'hui j'ai une corde qui est un peu grande, donc j'ai fait des nœuds. Je vous conseille plutôt de faire les nœuds au niveau de la corde, là, et pas à l'intérieur des poignets, sinon ça risque de vous gêner et de s'en mêler. Et puis pour, j'ai mal préparé ma corde, désolée, pour le réglage, le mieux, c'est quand même de tester et de voir si vous êtes bien avec. Hein, c'est la meilleure indication. Mais sinon, on marche dessus, largeur des épaules et on vient placer les poignets à l'horizontale. Il faut qu'ils arrivent à peu près à 5 cm du nombril. Voilà. Moi, j'aime bien qu'elles soient un peu grandes. Donc, ça, c'est après. Chacun décide comme il le souhaite. Voilà. Bon, on va démarrer. Je coupe les commentaires et c'est parti. Mince. Voilà. Je lance le chrono et on y va tranquillement, juste là déjà pour se réveiller. Hein. Dimanche matin, c'est déjà courageux de s'être levé pour ça. Allez, pointe de pied. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là. En point de talon, on vient poser le talon au niveau du sol. On relâche, là, tranquillement. On relâche les épaules, les bras. Et on reprend, là, avec un peu plus de cadence. 1, 2, on vient échauffer la voûte plantaire, les tendons d'Achille. Là, encore un peu. Et on relâche. Là, relâchez bien. Et là, une dernière fois, un peu plus vite, là, 1, 2, 3, on pousse bien vers le haut, 4, 5, 6, 7 et 8, et on relâche, là. Ok, on se pose, on va faire les poignets et les chevilles. Là, belle rotation. On change de pied, on continue avec les poignets. Ok, on relâche, on va coller les pieds ensemble et là, on va venir ouvrir, on garde le dos bien droit et on vient là se placer sur la tranche des pieds. 2, 3, descendez bien. 4, 5 et 6, on va le faire dans l'autre sens. 1, 2, on ouvre bien, on descend. 3, 4, 5 et 6, on reste ici et là, des petites rotations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche la rotation du bassin. 1, 2, 3, 4, 5 dans l'autre sens. Là, on met beaucoup d'amplitude, il faut que ce soit souple, les jambes restent tendues. On va ouvrir un peu plus et là, on va aller chercher des grandes rotations, le dos droit. Là, c'est vraiment la tête et les épaules qui guident. 2, 3, 4
Et 5 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on relâche, on resserre ici, on vient ouvrir et fermer au niveau des hanches. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche, on va écarter à nouveau les jambes, on va placer les mains au niveau des tempes, on est bien aligné, bien ouvert au niveau de la poitrine. Et là, on va fléchir vers l'avant en gardant le dos droit, les jambes tendues. 2, 3, 4, 5. Grandissez-vous au niveau du buste. 6. Là, on va passer sur les côtés. 1. On revient au milieu. 2. De l'autre côté. Milieu. On garde toujours le dos bien droit. Essayez de regarder loin devant pour être bien aligné. Ok, on relâche. Là, on vient serrer les pieds. Ici, on se grandit en pointe des pieds. Et on vient toucher le plus bas possible. Si vous ne pouvez pas toucher le sol, ce n'est pas grave. Mais on garde bien les jambes tendues. Allez, encore un peu. Ok. Dernier mouvement de mobilité avant de commencer à bouger un peu plus. On va écarter les jambes. Là, on va fléchir une jambe avec la main opposée. On vient chercher le pied. Et là, on bascule. On garde les bras bien tendus. On va chercher loin derrière le dos droit. Et on fléchit. On passe d'une jambe à l'autre. 4, 5, 6, 7 et 8. Ok, on relâche. On va commencer à se tirer. On va finir la phase d'échauffement avec encore quelques petits mouvements athlétiques, gymniques pour faire monter un peu le cardio, préparer les muscles. Là, en talons-fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Là, on pointe le talon. On vient poser le talon au sol. Et là, talon fesses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Ici, on vient twister avec le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, pointe talon. Genou devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6 côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On relâche. On va passer sur l'autre jambe. La même chose. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 côté. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Relâchez. Là, tranquillement. Et là, des toutes petites montées de genoux. Commence à tirer sur les bras. On est sur la pointe des pieds et on relâche. Là, on refait le même avec un peu plus de cadence. On commence à faire monter un peu le cardio et on relâche. Là, prochain, viens toucher les chevilles à l'intérieur. C'est mon pied qui vient, qui s'approche des hanches et pas le buste qui descend. Là, la main ne doit pas aller chercher le pied. Qui a pas trop bas. Ok, on relâche. Par ici, petit ciseau. Là. Alors, encore un peu. Regardez droit devant. Tirez sur les bras. Et on relâche. Là. Deux petites montées de genoux d'un côté, deux de l'autre. Là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore. Là, on relâche. On va refaire cette séquence encore une fois avec un peu plus d'intensité. Cette fois, on ajoute les bras. Là, on va descendre et monter les bras en même temps qu'on lève le genou. Allez.
encore. Ok, on relâche. Tranquillement. On va récupérer. Continuez à se tirer. On va récupérer sa corde. Ou son step, son marche-pied. Sa casserole, comme vous voulez. Et on va commencer par une première séquence corde, juste pour s'échauffer. Là, on va enchaîner tout de suite. Commencez à bouger. Là, tranquillement. Et là, commencez à sauter doucement. Là, tranquillement, vous pouvez là, reprendre le mouvement d'échauffement en point de talon. Là, et si vous êtes sur le step, vous montez, vous descendez pour l'instant. Inutile d'ajouter d'autres mouvements. On aura plusieurs séquences corps, donc vous pourrez varier au fur et à mesure. Et surtout, augmenter l'intensité. Là, encore un peu. Et on relâche. Là, soit vous passez la corde sur le côté. On continue à bouger, même si on en récup. Là, tranquillement. Attention, on va repartir. Allez, go! On repart. Toujours léger. On finit notre phase d'échauffement. Là, normalement, ça doit commencer à chauffer. En tout cas, moi, ça chauffe chez moi. Vous me direz si pour vous, 10-12 minutes comme ça, ça suffit pour pouvoir après attaquer. On y va crescendo, mais quand même. Allez, encore 5 secondes. Et récupération active. Là, on relâche. Continue à bouger. Si vous êtes sur les steps, vous vous mettez devant et vous faites juste ce petit mouvement de jambe. Si vous êtes à la corde, on continue à être actif. On baisse un peu la cadence. Faites bien la différence entre les temps. Là, comme ça, de récup et le moment où on travaille à la corde. Il faut qu'il y ait quand même une frange, différence. Attention, on reprend. Là. Pour la dernière et après, prochaine séquence, ce sera de la boxe. On va être pareil sur des séquences assez courtes en général, autour de 3 minutes. Je varie, mais globalement, c'est 3 minutes pendant lesquelles je vous propose soit de la corde, soit de la boxe, soit du renforcement musculaire. Et là, donc, prochaine séquence, ce sera boxe en shadow. Ok, on pose rapidement la corde. Là, on continue à bouger. On va juste se mettre en position de garde. Donc là, une jambe devant, une jambe derrière. On sautille d'avant en arrière. Donc j'ai mon poids qui passe d'une jambe à l'autre. Je suis tout le temps sur la pointe des pieds. Toujours le même écart entre les jambes. Moi, j'ai mes pieds qui ne se touchent pas. Là, c'est pas du fitness. Là, on est sur de la boxe. Donc vraiment le même écart. Et là, on va pousser un peu plus fort. Là, on va exagérer le mouvement et on va essayer de se déplacer. Là, d'avant en arrière, de droite à gauche. Relâchez les bras pour l'instant. Là. Ok, on va placer le poing au visage, au niveau des pommettes. On va serrer les coudes. On va baisser le menton. Là, pour moi, le bras avant, c'est le bras gauche. Bras arrière, bras droit, mais pour l'instant, la technique, c'est pas trop gênant. Là, l'idée, c'est de faire les mouvements et de transpirer. On va commencer juste par le bras avant. Donc là, bras avant, je tends mon bras à mon top, on se pose et bam, un beau direct, bien sec, bien aligné, épaule, coude, poignet aligné. Et j'ai l'autre bras qui est en protection au visage. Là, déplacez-vous. Top, bam, et je bouge tout de suite. Top, bam, et on se déplace, top, là, tendez bien le bras, top, on colle bien l'autre main au visage, on baisse le menton, on a frappé, on bouge,
Top, bam, et on se déplace. Top, on va doubler ce coup. Là, ça donne ça. 1, 2, 1, je reviens, je repars. Allez, top, bam, bam, et on bouge. Là, déplacez-vous. Top, 1, 2, encore. Top, 1, 2, on bouge. Top, 1, 2. Maintenant, on va mettre un coup au visage, un coup au corps. Vous voyez, je descends vraiment bien sur les jambes et j'ai toujours l'autre bras qui me protège. Là, top, en haut, en bas. Continue. Top, en haut, en bas. Là, déplacez-vous. On est bien tonique sur les jambes. Top, en haut, en bas. Top, en haut, en bas. On va faire le contraire. On va commencer en bas et on va reprendre en haut. On se déplace. Top, en bas, en haut. Et on bouge. Là, on est mobile. Top, en bas, en haut. OK. Prochain, on va être sur trois coups. Trois directs. Là, on va toujours commencer par le bras avant. Donc là, avant, arrière, avant. J'engage mon bassin, mes genoux, mes chevilles. Là, j'ai mes épaules qui passent aussi d'avant en arrière. Épaules avant, arrière, avant. Elles viennent se coller au menton. Donc à mon top, trois coups, vous alignez bien. Top, un, deux, trois. Et on bouge derrière. Top, un, deux, trois. Et je me déplace. Top, 1, 2, 3, et on bouge. Là, montez bien la garde, serrez les coudes. Top, 1, 2, 3, et on bouge. Encore. Top, 1, 2, 3, et on se déplace. Là, maintenant, je vais vous demander, à mon top, 1, 2, 3, de ne pas chasser. 1, 2, 3, et on décale. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, je décale. 1, 2, 3. Allez, faites-le à votre rythme. On essaye d'aller de plus en plus vite. Même sur le déplacement, on tend les bras. Bam, 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 je décale. 1, 2, 3, je décale. 1, 2, 3, allez encore. 1, 2, 3, je décale. 1, 2, 3, je décale. OK, on relâche. Prochain, même principe. On va intégrer un moyen de défense, le blocage. Blocage, là, 1, 2, je viens presque présenter mon épaule. Là, 1, 2. Donc, on va faire ça. Là, je démarre. Pas chasser. Bloc, bloc. 1, 2, 3. Pas chasser. Bloc, bloc. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. Pas chasser. Bloc, bloc. 1, 2, 3. 1, 2. Bloc, bloc. 1, 2, 3. Allez, on met un peu de vitesse. Dès que vous l'avez. Bloc, bloc. 1, 2, 3. Pas chasser. Bloc, bloc, 1, 2, 3, encore. Bloc, bloc, 1, 2, 3. OK, on relâche. Vous pouvez boire une petite gorgée et reprendre votre corde. On repart dans moins de 5 secondes. Attention, c'est reparti. Là, juste en corde. Tranquillement, ou en step. Et là, on va juste sur une jambe, en talon fesse. Allez, encore. L'autre pied. Continue comme ça. Allez, les deux. Talon fesse. Même si vous n'avez pas de corde, c'est des mouvements que vous pouvez faire. Allez, encore un peu. Allez, 10 secondes et on prend une récupération active de 15 secondes. Allez, on récupère, bougez, continuez à être mobile. Là, on continue en point de talon, on relâche. Là, tranquillement, on se prépare. 3, 2, 1. Et là, on reprend tranquillement. Cette fois, je vais vous demander une petite montée de genoux. Ici, là, sur une jambe. Là, on lève, on est toujours sur
sur la pointe de pied à la réception. Souple. On change. Là, tranquillement. On tire les épaules vers l'arrière. On garde une cadence sympa. Et on relâche. Là, tranquillement. On repart en point de talon. Allez. Il nous reste 15 secondes avant de changer de mouvement. Et on va finir là, en talon de fesse pour les 10 dernières. Allez. Commencez à mettre un peu de rythme. Si vous avez, vous sentez que vous êtes bien, il ne faut pas hésiter. Allez, encore un peu. Et on relâche tranquillement. Là, récup. On prend 15 secondes et on y retourne. Là, relâchez. Ok, c'est reparti. On reprend la corde. Et là, on va être sur les petits ciseaux. Là. Toujours pointe de pied, toujours souple. Là, si vous voulez mettre un peu plus de rythme, n'hésitez pas. Allez, encore. On relâche, pointe de pied. Et là, pied joint. On reste sur du pied joint. Là, c'est vraiment un des sauts les plus énergivores. Alors, souvent, quand on débute, c'est plus facile. C'est pas forcément le saut le plus économe. Voilà, vous savez. Relâchez, là, tranquillement. On va finir. Et on va passer sur une séquence renforcement musculaire. Là, on pose la corde. Ok. On se place ici. Debout. On va descendre là. En chenille. Se placer en planche. Là, on reste quelques secondes avant de remonter. Et on y retourne. On va le faire 3 fois comme ça. Et puis après, je vais vous donner des variantes. On reste, on fixe. On a vraiment les mains en dessous des épaules. On est bien à l'aise. On est tonique tout le long et on remonte. Allez, essayez de vous accrocher. Ceux qui ne le font pas en complet d'habitude et qui posent les genoux, si vous avez besoin, posez-les. Sinon, on s'accroche un petit peu, ce n'est pas des séquences longues. Allez, on remonte. Et cette fois, on y retourne. On va rester. On va venir ici toucher les épaules. Là. Allez. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. D'accord? Allez, 1, 2, 3, on part pour 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte, on se redresse, on récupère et on redescend. Et cette fois, on va venir ouvrir d'un côté, puis de l'autre. On ouvre vraiment, ouverture thoracique, on pivote. Allez, 3, 4, 5, ouvrez bien. 6, on va jusqu'à 10. 7, 8, 9 et 10. On remonte. On va y retourner. Et cette fois, quand on revient, on descendra là, en squat. Coup de genou. OK? Allez, on descend. Là, on remonte. Et là, on descend. Coup de genou. Encore pour 5, 2, 3, 4 et 5. Passe, passe. On y retourne. Passe. Tu peux passer. On y retourne le même. Là. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. Là. Et on va repartir sur un autre squat. Pointe de pied. Mia, tu peux te pousser, ma chérie, on ne voit pas. 1. Ici, on vient chercher pointe de pied. 2, 3, 4 et 5. On relâche. Là, vous pouvez sautiller tranquillement. On va passer sur la séquence boxe.
Là, on va reprendre la position de garde ici, là, en pointe de pied, avant-arrière. Là, on monte les mains. Et là, le prochain enchaînement, je vais vous demander de me faire ici, avant, bloc, avant, arrière. On va décomposer juste en bras avant, blocage. Qu'est-ce qu'il y a, Mia? Excusez-moi, j'ai ma fille qui veut passer, qui ne veut plus passer. Donc là, bras avant, bloc. Allez, c'est parti, on se déplace. Top. Avant, bloc. On bloque bien, c'est solide. Top. Bloc bas. Là, direct du bras avant et bloc. Un, deux. Et on se déplace. Là, on continue. Top. Avant, bloc. Là, vraiment, on vient placer l'avant-bras. Pardon, pas l'avant-bras. Là, l'épaule. On présente presque son épaule ici pour réceptionner le cou à ce niveau-là. Allez, top. Un, deux. On bouge. On bouge, on bouge. Top. Un, deux. Et derrière ce blocage, on va placer deux coups avant, arrière. On va le faire au complet. Bras avant, bloc, avant, arrière. On engage bien les épaules. Top. Un, deux, trois, quatre. Et on se déplace. Top. Un, deux, trois, quatre. Et on bouge. Encore, déplacez-vous. Top. Un, deux, trois, quatre. Et on se déplace. On peut accélérer sur les deux derniers. Une fois que j'ai mis mon direct, j'ai bloqué. Un, deux, on met de la vitesse. Allez, on bouge. Top. Un, deux, trois, quatre. Et on se déplace tout de suite. Baissez la tête. Engagez bien les épaules. Top. Avant, bloc, avant, arrière. Et on se déplace. Top. Avant, bloc, avant, arrière. On va faire le même principe que tout à l'heure. Pas chasser, j'en fais deux. J'arrive là. Avant, bloc, un, deux. Et on décale. Avant, bloc, un, deux. On décale. Allez, c'est parti. Vous avez le mouvement. Faites plat vos tripes. Avant, bloc, un, deux. On décale. Avant, bloc, un, deux. On décale. Avant, bloc, un, deux. Allez, on met du rythme. Un, deux, trois, quatre. Allez, encore. Un, deux, trois, quatre. Encore, 1, 2, 3, 4, même si vous vous trompez, on continue à bouger. 1, 2, 3, 4. Ok, on relâche tranquillement. Là, et on va reprendre la corde pour une séquence un peu plus intense. En tout cas, je vais vous demander un peu plus d'intensité sur les séquences pendant lesquelles on saute. Ok, on va repartir dans 5 secondes. Préparez-vous, on va être sur du 30-30. Là, attention, c'est parti. Et on va lever légèrement les genoux. Si vous pouvez plus, n'hésitez pas. Allez, allez, on s'accroche. On est à 26 minutes de séance, un peu plus là. Allez, encore, on continue. Là, même si on rate, on reprend, ça n'arrête pas de bouger. Allez, 5 secondes. Allez, 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 allez. Top. Bouge. Toujours actif. On marche. On sautille. Allez, encore un peu. Ah. On en a 3 comme ça. Faites bien la différence entre les moments de récupération active et les moments où on saute à la corde. Moi, je ne peux pas donner plus, mais si vous avez envie de mettre encore plus de cadence, n'hésitez pas. D'accord? C'est vraiment là sur une accélération. Attention, c'est parti. Allez, on y va. On a 30 secondes comme ça. On tire les épaules vers l'arrière. Là, on est bien souple au niveau des poignets, sur la pointe des pieds. Allez, encore. Encore, encore, encore. 10 secondes comme ça. Là, on prend 30 secondes de récupération active, relâchez les bras. Là, on est souple, on
récupère tranquillement. Et on va faire la dernière séquence de corde, en tout cas sur cette partie-là. Hein. On n'a pas fini avec la corde. Donc 30 secondes d'accélération bien franche. Allez, allez, top, c'est parti. Là, on reprend. Encore. Allez, on accélère. Il nous reste 10 secondes comme ça. Essayez de mettre du rythme. Si vous pouvez monter les genoux, c'est le moment. Allez, encore. 3, 2, 1. On relâche. Vous pouvez poser la corde. Par contre, on continue à bouger. 30 secondes. Là, faites-moi un point de talon. Ici, vous pouvez aussi reprendre le déplacement de boxe si vous voulez. Là, ça va vous permettre aussi de travailler un petit peu, d'être vraiment mobile, tonique. Là, on relâche les bras. Allez, encore un peu. Et on va passer sur du renforcement. Jambes. Là, tranquillement. OK. On vient ici. On va fléchir. Là, les jambes, on essaie de se redresser. On va se mettre sur une jambe. Et là, on va planter le talon devant. Côté, derrière. On reste fixe sur la jambe d'appui. Allez. 1, 2. On va le plus loin possible avec le pied mobile. 3. Et là, on reste grand. Droit, les épaules vers l'arrière. 4, 5, 6. Encore. Là, c'est tout un travail de prévention genoux. 7, 8, et on va passer sur l'autre jambe, même position. Donc là, je fléchis, je reste droit, je plante, je pointe, je pointe. Allez, 1, 2, on est bien stable sur la jambe d'appui. 3, 4, on reste droit. 5, et on ne fait pas en haut, en bas avec la jambe d'appui, elle reste fixe. Là, 6. 7 et 8. On vient ici, là, et on enchaîne pour 12. 1, 2, 3, on tire bien les fesses vers l'arrière. 4, 5, on ouvre les genoux. 6, 7, expirez en descendant. 8, 9, 10, 11, 12, on reste là, on va fléchir. Là, on se tient bien droit et on va passer sur une jambe, puis sur l'autre. Là, on résiste un peu, on passe sur l'autre. Encore. Allez, continue. Allez, encore un peu. Et là, des petits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 et 12. On relâche et cette fois, on descend complet. On monte en pointe des pieds pour 12. Allez, 1, 2, 3, on se grandit en montant. 4, on descend le plus bas possible. 5, expirez en montant. 7, 8, encore. 9, 10, 11 et 12. On relâche. Il nous reste une séquence jambes avant de reprendre la corde. Là, on va ouvrir les pieds. On pointe les pieds vers l'extérieur. On ouvre bien et là, on squat sumo, on descend. 1, on reste bien droit. 2, tirez les épaules vers l'arrière. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, on va fixer ici. On descend le plus bas possible, on se tient droit. Et là, des petits. 1, 2, on s'accroche. 3, 4, allez, c'est presque fini. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche là tranquillement. Là, relâchez les jambes. Là, on va reprendre la corde.
Ok, c'est reparti. Vous avez le temps de boire une gorgée. On part dans 7 secondes. Attention. Allez, on reprend. Tranquillement là. Et ici, on va venir deux genoux d'un côté, deux genoux de l'autre. Là, si vous êtes sur le step, vous pouvez monter dessus, lever un genou, redescendre et alterner. Allez. On s'accroche. On arrive presque au bout de la séance. On a fait le plus dur. Allez. Encore. 5 secondes comme ça. On continue. Ok, relâchez. On a 15 secondes de repos. Continuez à bouger. Reste actif. Là, et c'est reparti. Là, petite montée de genoux. Allez. Mettez un peu de rythme. Si vous avez la possibilité de faire des petits changements de rythme, donc d'accélérer vraiment là et de reprendre, faites-le. Pour moi, c'est un peu difficile. C'est surtout que ce n'est pas trop préconisé. Donc, je vous laisse gérer. Là, il nous reste 15 secondes. Toutes les 5-6 secondes, si vous le sentez, la petite accélération. Allez, 5 secondes comme ça. On lève. Allez. Et on relâche tranquillement. Petite récup active. Et on reprend. Dans 5 secondes. Là, pour une dernière séquence corde, il va nous rester encore un peu de travail. Là, on monte les genoux. Il va nous rester une séquence shadow. Une séquence renfort. Donc là, on va être plutôt sur les fessiers et le dos, donc la chaîne postérieure. Voilà. Et puis après, on reprendra la corde pour finir et surtout pour faire descendre tranquillement le. Allez. Continue, on s'accroche. 10 secondes comme ça. Allez, allez, allez. Allez, encore un peu. Allez. Ok, on récupère, on continue à se tirer. Là, on est toujours sur la séquence corps. Même si c'est du repos actif, là, tranquillement. Là, sur le shadow, on va faire un dernier enchaînement. Je vais vous demander ici deux directs, avant, arrière. On revient, petite flexion pour esquiver un coup, mais vraiment là, léger. On est économe, on est feignant, on ne descend pas jusqu'en bas. D'accord ? Donc juste là, l'espace d'un gant, donc 5-6 cm. On revient, 1, 2, 3. On commence toujours par le bras avant. D'accord ? Donc 2, 1, 2, flexion, 1, 2, 3. Ce que je vous demande sur cet exercice, c'est surtout là, d'allonger les bras et d'engager les épaules. Ok ? Allez, on se déplace, on va faire juste la première partie. 1, 2, flexion. Allez, on bouge. Top, 1, 2, flexion. On se déplace. Top, 1, 2, flexion. Encore, on bouge dès qu'on a fini. On est mobile. Top, 1, 2, flexion. Encore, on met un peu plus de rythme. Top, 1, 2, flexion. Encore. Top, 1, 2, flexion. Allez, on bouge. Top. 1, 2, flexion. On va ajouter la remise, donc des 3 coups. 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Là, on fait 2 fois doucement. Top. 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Là, engagez bien les épaules. Top. 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Et on bouge. Là, toujours mobile. Top. 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Là, déplacez-vous. Top, 1, 2, flexion,
On met du rythme. 2, 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Et on bouge. Allez. 2, 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Accélérez sur le dernier. 2, 1, 2, flexion. 1, 2, 3. Et on relâche. Là, tranquillement. On a presque fini. J'ai du retard, comme d'habitude. Là, on va passer sur fessier et on va rester là. On va croiser. On approche le genou du sol, on se met droit. 1, 2, 3, 4. Redressez-vous. 5, 6, 7 et 8. On passe de l'autre côté. Là, 1, on est bien droit. 2, 3, on n'est pas en appui sur sa jambe. 4, 5, 6, 7 et 8. On va passer au sol. Là, à quatre pattes. On va travailler toute la chaîne postérieure, la coude genou. Et on vient là, aligner. Bien droit, bien stable sur l'appui le genou. Et là, 1, on va tout doucement. 2, 3, regardez votre tapis. 4, 5, 6, 7, 8. On reste aligné. Là, bien aligné. On contracte la jambe, le bras, on fléchit le pied, donc vous ramenez les pointes de pied vers le centre du corps et là, des tout petits mouvements avec la jambe. Gainez bien, serrez les poings, serrez les jambes, il faut que ce soit solide. Et on fixe. Là, contractez. Là, je ne peux pas vous donner plus d'indications que ça. Il faut vraiment à vous, c'est à vous de faire une contraction volontaire pour travailler encore plus. Ok, on relâche, on passe sur l'autre côté, la coude genou pour 8. Allez, 1, 2, on reste bien aligné. 3, quand on arrive au bout du mouvement là, ah, on contracte. 4, 5, 6, 7, 8, on est là, on gagne tout. On contracte, on serre les fesses, on contracte les cuisses. Les épaules, les bras, on tire la pointe de pied vers le ventre. Et là, des tout petits mouvements de jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste là, on fixe. Continuez à contracter. Là, c'est une contraction volontaire. Allez, on serre tout et on relâche. On va repasser là sur l'autre jambe. Ici, on va la lever vers le ciel. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on va ouvrir sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste ici. Là, pour le dernier des tout petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste là, on fixe. On est bien solide, le genou est à hauteur du bassin. Là, on lève maximum et on relâche. On passe sur l'autre jambe. Même routine, on est là. La jambe levée, angle droit et on pousse vers le ciel. 1, 2, on ne va pas trop vite. 3, 4, 5, 6, 7. 8, là, on est sur le côté. 1, 2, pareil, pas trop vite. 3, 4, 5, on lève bien haut. 7, 8, on fixe et des petits. 1, 2, allez, on s'accroche. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on reste là, on lève bien le genou. C'est la fin, on s'accroche et on relâche. On va se relever. Pour la toute dernière séquence, et je suis désolée, je vais vous rajouter 3 minutes, même 5, parce que là, on est à 42, je vous avais annoncé 40, et on va quand même finir tranquillement là, encore léger, en pointe, talon, on récupère, on fait descendre le rythme cardiaque, on relâche les jambes, si elles sont un peu engorgées, là, tranquillement. On s'est levé pour 40 minutes. On peut bien faire 45, 46, non? Allez. Là,
on continue. Récupérez. Si vous êtes sur le step, vous pouvez soit monter, descendre tranquillement en relâchant les épaules, les bras. Là, soit sauter sur place aussi. C'est très bien l'un de l'autre. Et on continue à transpirer. Allez, encore un peu. On va poursuivre. Encore 35 secondes comme ça avant de poser la corde. Là. On relâche, on pose la corde, on continue à bouger là en point de talon. Et tout le monde prend cette position là, point de talon. On relâche. On va venir là en rotation des bras vers l'avant, vers l'arrière, ici en ciseaux, mais tranquillement. On est juste là sur de la mobilité et on relâche. On relâche les coudes, on relâche les bras. Et là, on va se poser. Là, pour finir, petite rotation du bassin. Respirez tranquillement dans l'autre sens. Là, dans cette position, on va venir ouvrir. On fléchit au niveau des jambes, on fixe. Bassin en rétroversion, donc on rentre le bassin. Et là, on va venir ouvrir et on va accompagner la main du regard. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on va descendre. On va croiser les bras, venir au niveau des coudes. On va relâcher le bas du dos, on relâche la tête, on garde les jambes tendues. Et là, on va basculer d'un côté puis de l'autre. Respirez bien. On garde bien les jambes tendues. Et là, on va dérouler la colonne vertébrale doucement, vertèbre par vertèbre. Voilà pour aujourd'hui. Je vous libère. Bravo à tous ceux qui ont fait la séance en direct à 9h30 du matin. Merci à vous. N'hésitez pas à me dire comment ça a été aujourd'hui, si vous avez pu tenir le rythme ou pas. Enfin, voilà un peu vos ressentis. Si vous avez fait avec une corde, un step, je voudrais aussi, enfin, ça m'intéresse de savoir si c'était une première pour vous avec moi, parce que pour le coup, j'ai beaucoup d'habitués et je vous remercie. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis le premier confinement. Donc, merci à vous pour votre fidélité. Et voilà, et en tout cas, si c'était une première pour vous, bienvenue. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi et à vous abonner à ma chaîne. J'ai vraiment envie de la développer, d'apporter de plus en plus de contenu. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. En tout cas, si vous avez apprécié la séance. Et puis, n'hésitez pas à la partager, à la faire connaître. Parce que je suis persuadée que c'est du contenu qui peut être utile à d'autres également. Voilà, bon, je vous souhaite un très bon dimanche. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée. Bon.